Ouais, mais guerrier, mon chien. Mais tu seras chez toi, c'est bien. Je suis déjà chez toi. Ah ben là, t'as tout dit. Là, donc, tu vois, on a mis les bassins pour faire l'assiette. Les quoi, les bassins? Les bassins, les solives, on va dire. Oui. Et donc, on a mis des solives, on a préparé une assiette de niveau. Voilà. Pourquoi pas un niveau? Deux niveaux. Deux niveaux, il y a... C'est l'assiette. Ah, c'est l'assiette. C'est pas de l'assiette. C'est pas pour manger, hein. Ah, j'ai faim, ça tombe très bien, j'ai vachement faim. Ouais. Oui. Et ensuite? Et ensuite, on va finir mettre nos traverses. Et puis à partir de... Et puis à partir de 2-3 jours, on pourra commencer à mettre notre plancher. Et le plombier, il a fini quand, lui? Son, là, son là, sol. Là, il a déjà coulé, il a déjà tiré les billes. Ouais. Donc il fera ses raccordements après. Voilà. Ben voilà. C'était un reportage pris sur le vif. Voilà. À voir demain dimanche, le jour du Seigneur. Non, on est samedi. Bon messieurs, j'arrive. Samedi, on a le droit de travailler. L'ampleur de la tâche est très visible sur ce plan. Les deux, mon général. C'est bien chez Marc V. On se sent bien chez Marc V. Voilà, c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Assurément. Je supervise. Donc là, il y a 2,40 m pour l'électroménager. Alors, mais de toute façon, je vais le frigo, je vais le pousser un peu plus. Il faudra. Tu vois, par là. Il faut quand même que la porte puisse... ouais. Mais, ouais, je vais le mettre, tiens, mais marque, si tu veux, ouais. Non. Non, vas-y, tire un peu. Jusqu'où tu peux, mais sans gêner la porte, tu sais. Bah, c'est faut là. Sauver la porte. Sans bras, voilà. Voilà, mais pas là. Tu gagnes pas beaucoup, hein. 240, c'est bien. Ouais, fais une marque, c'est bon. C'est bon. Fais une marque, Marc. Un héroïste qui doit me faire des trucs là. Ah, j'ai complètement oublié. Tu connais, non? Bah d'ailleurs, elle est où cette liste? Bah, tu l'as mis dans tout le monde, mon portefeuille. Ah bah, elle est dans l'oreillette normalement. Bah non, c'est pour le gabarit du carton. Ah oui, faut faire la même taille, attention. Ça puisse se glisser. Je sais pas comment ça s'appelle, on va poser un tenon mortaise. Pour mettre sur l'intérêt. Attends, bien sûr. Leçon de choses, ça s'appelle. Oui, non, 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 je fais. J'ai compris la leçon. Il cachera le... Frédéric n'aime pas qu'on monte son derrière. Impressionnant.
Ah, c'est la chose, hein. La cisseuse. Je vais le faire sortir derrière. Pas trop, mais... Alors, si je le fais sortir, il est à 3,28. Ah. Sinon, il est à 3,27. Pile poil. Allez, mets 3,27. Allez. 3,28. Ok. Les bâtisseurs du Nouveau Monde, d'un Nouveau Monde, comme je vous ai appelé. C'est beau, ça. Les francs-maçons, ils ne savent même pas poser un parpaing. Et quoi? C'est dit? C'est-à-dire que les francs-maçons, ils ne savent même pas poser un parpaing. Ouais. Il y aura la musique là-dessus. Hein. Que toi, tu vois qu'on va prendre ton cul, mais moi, je ne veux pas qu'on entende ce genre de propos, hein, sinon on va se faire emmerder. Tiens. Tiens, ça, ça. On ne peut pas être chanteur et bâtisseur. Hein. Non, mais c'est rigolo parce que. Oui, franc-maçon, mais rien à voir. Ouais. Philippe qui sait pas. Du bricolage. Ouais, ouais. À la franc-maçonnerie, c'est du bricolage pour ça. Oh putain, ça ballon dur là. Oh putain, ça ballon. Ah, je vais peut-être le laisser ça, oui. C'est rigolo. Fais gaffe à pas couper ton fil en dessous. Hein. Oui, c'est pas très très malin ça. Et cache ta raie. Hein. Tiens le truc là. Je vais déconner, ouais. Bouge pas. Bah oui, ça c'est plus simple. Hein. C'est bon. Eh ben oui, mais... C'est ce qu'on appelle l'ajustage. Un nœud. Je découpe. C'est bon, ça là. Allez. Tiens. Mais dessus, voilà. Dessus, peut-être pas, si. Ouais. Oh putain, génial! Ah oui, en effet, oui. Attends, je suis pas fini. Un petit bout. Ne pas confondre vitesse et précipitation, monsieur Marquevé. Alors, tiens, tu m'en rends. C'est trop court.
entendu là-bas.